Bienvenue sur Game On Air. Merci à tous de nous rejoindre. Vous êtes bien sûr en direct sur Radio Campus Clermont-Ferrand. C'est 93.3. J'adore son casque. La fréquence. Merci à tous de nous rejoindre. On va parler de jeux vidéo et de culture geek jusqu'à 22h et c'est tout. Les lundis, vous nous retrouvez aussi donc sur le site internet de Radio Campus. Hein, vous tapez Radio Campus 63. Vous cliquez sur le petit onglet live et vous pouvez nous écouter partout en France et même dans le monde, hein, techniquement. Vous pouvez aussi nous réécouter grâce au podcast de nos émissions qui sont postées sur GameMonitron.fr ainsi que sur notre chaîne YouTube. Voilà pour toutes les infos relatives à nos émissions disponibles aussi sur la page Facebook et sur le compte Twitter. Alors ce soir donc on a deux jeux à vous parler juste après les news de la semaine dernière. Ces deux jeux, le premier il s'agit de Dead or Alive 5, Last Round, le dernier jeu à forte baston. Opulence de poitrine, non pas baston là-dedans. Ah bon? On en parlera, d'accord, je vous en parlerai tout à l'heure, savoir si ces miches ont grossi ou non. Et après on parlera du jeu, j'ai envie de dire peut-être, mon souvenir, le jeu le plus polémique de ce début 2015, hein, il faut dire ce qui est, il y a plein d'avis qui fusent. On parle évidemment de The Order 1886, donc la dernière exclusivité de Sony qui fait couler beaucoup d'encre virtuelle, hein, parce qu'on n'écrit plus de nos jours. On était trois à le tester, donc il y aura peut-être trois avis différents, on verra. Donc tout ça, vous saurez si on a apprécié le jeu ou non. ou non. Pour en parler, il y aura Nicolas, le chroniqueur. Salut. Comment vas-tu? Ça va. Très bien. Ouais. Super. Ouais. On a aussi notre invité, c'est Jules. Oh yeah. Comment vas-tu? Ça va, impeccable. Bon, super, qui réempile encore une fois, on aime bien l'avoir, Jules, sous la main, c'est toujours rigolo. Merci. Également, bien pour ce soir, on a aussi notre chroniqueur, webmaster et régisseur de l'émission, monsieur à tout faire, Pierre-Marie. Salut Pierre-Marie, comment vas-tu? Salut monsieur, ça va bien, sauf que moi, j'étais venu parce que je pensais que le casting de Dead or Alive 5 serait là ce soir. Mais et, t'inquiète c'est pas. C'est une grande déception, quoi, je pense que je vais rentrer chez moi, quoi, du coup. T'inquiète pas, tu rentreras pas seul. Et on a aussi notre autre invité de la soirée, c'est Marc. Salut. Salut. Voilà pour le sommaire de l'émission qui commence tout de suite par les news et le chiffre de la semaine. Oui, j'ai pas changé le jingle depuis la semaine dernière. On c'est commence. Un jingle de Dora Life 5, ça. Exactement. Chut. Le chiffre de la semaine de Pierre-Marie, dis-nous tout. Alors, c'est un chiffre opulent, puisque c'est un chiffre... La tour de poitrine à Yanné. Putain, non. J'allais le dire. 335 000. 335 sacré tour de poitrine. Je suis du 335 000 à... 335 000. C'est un petit bonnet. Ce sont des heures. Non. Ce sont des chiffres, des lettres. Oui, c'est un chiffre. Un nombre de joueurs. Non. 335 000. Le prix de quelque chose. Non. Le nombre d'exemplaires. Oui. Ce sont des ventes. Oui, c'est ça, c'est un nombre d'exemplaires, ventes. Ce sont des ventes. Des ventes qui sont déjà faites ou pas du tout? Qui sont déjà faites, mais c'est tout récent, quoi. C'est vraiment la semaine dernière. Donc... C'est un jeu?
Non. Simplement. Non, c'est pas un jeu, c'est une plateforme, une console. Oui, c'est une plateforme. La New 3DS. Bravo Nico. Bravo Nico qui a laissé les autres tout faire le travail. Ça, c'est un peu ça. Voilà, alors c'est le lancement, le premier week-end de la New 3DS, tout simplement. Modèle small, et modèle normal et modèle XL confondus. Alors c'est le total en USA et en Europe, sachant qu'il y a eu 175 000 ventes aux USA et 160 000 en Europe, ce qui est plutôt un lancement réussi, sachant qu'à titre de comparaison, on a 3DS XL qui s'était vendu sur 50 000 ventes pour sa première semaine sur chaque territoire. Ah oui, donc pour un total de 10 000. C'est un beau démarrage pour une console qui fait rien de plus pour l'instant. Et du coup, les tie-up entre guillemets de la 3DS, les deux logiciels très, très convoités qui sont sortis en même temps se sont très bien vendus. On a eu 220 000 ventes de Majora's Mask 3D en Europe et quand même 110 000 ventes de Monster Hunter 4 Ultimate en Europe pour sa sortie. Donc voilà, ça fait des beaux records. Je crois même. Beau lancement. Je crois même que, c'est pas que je crois, je l'avais lu, Majora's Mask 3DS, c'est mieux vendu que Ocarina of Time 3DS. Alors que Ocarina of Time est peut-être plus populaire, mais... Non mais ça se demandait pourquoi... Pourquoi faire des nouveaux jeux. Mais oui, non mais ça se demandait pourquoi Sony et Microsoft se font chier à créer des nouveaux jeux, en fait. On devrait avoir Crash Bandicoot 25. Crash Team Racing vendu avec la Vita, quoi. Oui, non mais voilà, Crash Team Racing 3, on devrait avoir Halo 6, enfin bon, ça on l'aura. Après, mais... si on regarde, finalement, il y a peu de sociétés de jeux vidéo qui se font vraiment chier à tenter de nouveaux trucs et tout ça, quoi. Non mais c'est vrai, tout à l'heure, on va parler de The Order, mais pourquoi Ready at Dawn n'a pas fait, je sais pas, un énième God of War, parce qu'ils en ont déjà fait, enfin, toutes ces choses-là. Bref, ça laisse à réfléchir, mais en tout cas, le succès est au rendez-vous, donc tant mieux pour Nintendo et du coup pour Capcom avec leur Monster Hunter. Très bien, très bien. Alors, le reste des news, les enfants. Regarde pas ma fiche, toi, fais gaffe, je te vois bien. J'ai un autre chiffre, moi, le chiffre c'est 39,6. Le tour de poitrine de... Non, tu m'aurais dit la température de Dayane, ça passait. De ton corps après avoir joué à Dead or Alive 5. Le quotient intellectuel total si on réunit tous les quotients intellectuels des gens qui font cette émission. Non, c'était 37. 32,6, non, vous avez peut-être pas vu ça. Un sais plus si c'est. Non, c'est pas un pourcentage, c'est un chiffre de vente. C'est un chiffre de vente. Je sais plus si c'est paru aujourd'hui ou samedi, je sais plus. Ça me dit rien. 100 millions. Ouais, 100 millions, ouais. Ah, ouais. Ça concerne aussi Nintendo, ça peut vous aider. La New 3DS. La Wii U. Non, pas du tout. Zelda. Il y a des petites absences, Nico. Pas du tout. Allez, je vais vous aider, c'est un jeu qui va sortir sur Wii U. C'est le nombre de précommandes. Je sais pas. Ah, Mario Party. Oui, bien joué. Le 10, non? Non, mais non, il n'est pas sorti, fais gaffe. 39,6 millions, donc c'est le nombre de Mario Party vendus tout court à travers le monde depuis les premiers épisodes sortis sur Nintendo 64. Donc c'est des chiffres qui ont été annoncés, donc avant la sortie de Mario Party 10, effectivement, qui sortira sur Wii U le mois prochain, au mois de mars. Donc avec un amiibo exclusif Mario. Enfin bref. Il faudrait qu'il fasse un amiibo en forme de dé, quoi. Un amiibo que tu puisses lancer et... Non. En forme 2D, en forme pas 2D. J'ai compris en 2D, ouais. Non, moi en forme d'un dé, un dé à 6 passes. Bref, la suite. C'est pas grave, tu réécouteras l'émission avec des points dessus. Tu réécouteras l'émission grâce au podcast qui est disponible sur GameIntrans.fr. Mais au début, j'étais bien lancé, vous m'avez tous coupé. J'ai pas internet. Pardon. Allez, l'autre news qui a surtout marqué peut-être Nico et moi-même, et encore c'est pas sûr. Marqué Nico sur TV. Non, Nico et moi-même. C'est le rachat d'une société japonaise. Est-ce que tu vois ce que c'était? Un studio de Nintendo japonais. A racheté Square Enix. Non. Level 5. Non, en fait, j'ai non. Pas... Non, non, non. Mais taisez-vous. Personne ne rachète le studio Tri-Ace qui a réalisé notamment les RPG Star Ocean et Valkyrie Profile ont été rachetés malheureusement par un studio qui fait des jeux mobiles qui s'appelle Nepro Japan qui fait des jeux sur mobile. Donc voilà, c'est pourquoi malheureusement. Malheureusement parce que Tri-Ace était j'ai envie de dire, nous on les a connus en tout cas la belle époque, on va dire PS1, PS2 grosso modo, à faire des chefs-d'œuvre du jeu vidéo, il n'y a pas d'autre mot. Valkyrie Profile, c'est un jeu absolument magnifique qu'on est incapable de refaire aujourd'hui. Star Ocean 3 également. Ils ont fait aussi plein de bons petits jeux, on va dire des bons petits jeux, pas forcément des tueries, mais des bons petits jeux qu'ils ont fait après, petit à petit. Alors j'ai appris d'ailleurs grâce à ce rachat que Tri-S avait travaillé sur Final Fantasy XIII 2 et Lightning Return. J'étais très étonné, mais bref. Bon.
Ils ont aussi fait Resonance of Fate, c'est leur dernier vrai RPG à eux. Et en tout cas, voilà, ils ont été achetés par une société de jeux mobiles. Donc, bon, voilà, pour moi, c'est la déchéance. Quand je vois ce que fait Hironobu Sakaguchi maintenant, Terra Battle, c'est génial. Non, c'est pas génial. On va arrêter. Non, il était génial quand il faisait Final Fantasy. Il ne l'est plus maintenant. Donc voilà, je trouve ça triste. Trahies, qu'est-ce qu'il fait? Ils prennent des risques. Ils font des jeux en vie. Non, des jeux originaux. Ils prennent pas de risques. S'ils veulent pas se faire licencier tout leur groupe, ils sont rachetés par une société. Voilà, c'est ce que je dis. Jusqu'à maintenant, ils faisaient ça. Ils prenaient des risques. Ils faisaient des nouveaux trucs au lieu de faire tout le temps la même sauce. C'est pour ça qu'ils sont en déchéance et qu'ils sont obligés d'accepter le rachat. C'est là où en venir. Malheureusement, c'est bien le cas. Donc, bon, on verra ce qu'ils feront par la suite. Mais malheureusement, ça n'annonce pas forcément du bon. Je suis peut-être pessimiste. Allez, on reste dans les RPG pour vous annoncer donc qu'il y a un jeu sur Vita qui va sortir donc le mois prochain, donc le 4 mars. Danganronpa. Non, je parlais pas de merde. Ça. Le 4 mars prochain, il s'appelle Orechika Tainted Bloodlines. C'est un RPG. Alors vous le connaissez pas, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Si vous connaissez Okami, son esthétisme. Et ben c'est la même chose. C'est un RPG donc à sauce japonaise. C'est d'ailleurs très étonnant qu'il sorte chez nous en France. Alors je pense pas qu'il sera en français, hein. À mon avis il sera en anglais, mais en tout cas il sortira. Jetez-y un coup d'œil. Orechika, ça sort sur PlayStation Vita et ça sort le début mars prochain, donc très bientôt. Je suis toujours pris par surprise quand il y a des sorties sur Vita maintenant. moi aussi, mais contrairement à la New 3DS, ce ne sont pas des portages. Voilà. Et sinon, la pique gratuite. Et ben, faut dire ce qu'il y a. Et sinon, la news geek, parce que moi, ça me fait plaisir. Je sais que ça fait plaisir aussi à mon pote Jules. Et bien, c'est l'annonce d'un nouveau film Alien qui a été officialisé la semaine dernière. Donc, le réalisateur s'appelle Neil Blomkamp. C'est le réalisateur de District 9 et du film Elysium. Il avait déjà posté des espèces de concept des artwork art d'un film, mais qui avait été abandonné. Mais donc, il a repris le truc. C'est ça, donc en fait voilà, il avait en fait les concepts art, en fait c'est un délire qui s'était fait un peu avec lui et son équipe, je suppose, et en fait non, c'était peut-être pas que des concepts art comme ça dans le vent. Non, il est bien assigné à la réalisation du prochain film Alien, donc Alien 5, hein, on va l'appeler comme ça, hein, grosso modo. Donc franchement voilà, on en reparlera, mais j'espère que le film sera à l'auteur des autres films de la saga, parce que voilà, retrouver l'émission qu'on a fait sur Alien, on a parlé aussi de Alien Isolation, donc l'excellent jeu sorti sur PS4 et Xbox One, et sur PS3 et 360 d'ailleurs au passage, et sur toute la saga Alien, des films Alien, parce que moi je suis fan, j'ai adoré tous les films, et j'espère que celui-ci sera excellent également. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ça fait pas mal de news. Je vais me tourner vers Nico. Donc on avait parlé de Danganronpa dans nos émissions. Donc oui, ou tout à l'heure. Mais je te rappelle qu'il a ses absences, Nico. PN l'a cité tout à l'heure. Donc pour rappel, donc c'est des jeux d'aventure textuelle qui sont sortis qu'on a eu sur la PS Vita. Donc il y a eu deux épisodes. Et il y en a un troisième. De meurtre, de lycée, voilà, et de procès. Il y en a un troisième qui était uniquement exclusif au Japon, qui s'appelle Danganronpa Another Episode, et qui va sortir en Europe cette année. Sauf que contrairement aux autres jeux, c'est un TPS, donc un jeu de tir à la troisième personne. Ah bon ? Qui est complètement justifié quand on connaît le background de l'univers de Danganronpa, en fait. C'est tout à fait logique qu'il y ait un jeu que ce soit un TPS, le truc. Excuse-moi, je connais Danganronpa, je vois pas le rapport. J'ai pas fait le 2. Quand on a fait les deux jeux, on comprend tout à fait la logique du truc. Puis même dans Danganronpa, tu tires avec des preuves, donc t'as une question de pistolet, tu vois, d'où shooter et tout ça. D'accord. Non, c'est pas convaincu du tout. Donc le jeu sortira aux États-Unis et en Europe dans le courant de l'année, en fin d'année sûrement. Donc voilà, moi je trouve ça cool qu'ils le sortent. Bien sûr, mais on en reparlera chez nous. C'est vrai qu'on en parle assez rarement de la PS Vita, mais ce sont deux des meilleurs jeux de la PS Vita. Hein. Ça, c'est clair et net. Danganronpa. Jules, est-ce que tu as une petite newsasse à nous balancer ce soir? Super, merci. Merci d'être venu, hein, bravo, belle mentalité. Non, mais c'est The Order, il m'a trop mis dans le mal. Teasing. Allez, on va d'abord teaser avec des gros lolos et des gros biscottos, puisqu'on va parler du jeu de baston Dead or Alive 5. C'est quoi ces meufs qui rentrent sur le plateau? Thank you.
just wanna true love and true love in you. Even if it brings me pain, gives me walls I would. I just wanna real love and real love in you. Love you, then I just want to keep loving you. Down. Collision calls the heat, seats both are cold-blooded. Never show you weakness, get bashed for something you may have uttered. Can't I wanna need like a breast so buttered. Still struggling for the top, truly wanna get absolutely cluttered. Is dead or alive, what would you do? Would you let the other one scoop you, but a one whose view's too crude? I won't bow down, no one can stop me. It's mostly my battle against my own shadow. I kept on stepping up my game, my skills to get the hell out of same current endurance. And we just weren't on the same page. Your arguments became way too recurrent. Love is power, however, let alone it turns sour. Cause we kept missing out, and I just got shallow every hour. No other way to it, just don't fade. Will not fade, who will not lose. So I will not let anything get in my path. I just wanna true fear. I won't let any fears get to my nerves. I try to steer correctly, fulfill tasks collectively. Basically, peel the skin of fruits effectively, a bit excessively. Destiny a little bit, but painting my life aesthetically. Cutting the years of maybe life and golden distressingly. Hey, I'm living it vividly. I try to live it the way I live it. Gotta be killing it. If I wasn't, I'll be dead. Sometimes it's not just force, it's more determination to score for the opportunity from next door. Haters deplore my thoughts, my actions I ignore. My faith is way too strong for them, I still stand tall. The day I lose to myself is the death of me, which means the day I stop is the day I die deliberately. Still won't bow down to you or to me, myself. Sur le plateau de Game On E-tron après cette petite interlude musicale, je voulais en profiter. Nous avons Ayane sur le plateau, vous avez compris. Pierre-Marie est parti hein, d'ailleurs avec Hitomi. Bon, bref, on raconte la vie du plateau. Bon. Oh non, j'ai perdu mon maillot! Et Yamike aussi. Oh putain. Dead or Alive 5 last round, donc le dernier round de Dead or Alive. Donc alors Dead or Alive 5, donc il y a 3 jeux qui sont sortis hein. Dead or Alive 5, le premier du nom, si je dis pas de conneries, c'était en 2012. Si je dis pas de bêtises, fin 2012, il est sorti. Il y a une version donc qui s'appelait Dead or Alive 5 Ultimate, donc qui qui prenait entre guillemets les DLC du Dead or Alive 5 de base, qui a rajouté, je sais plus, hein, je vous avoue, un ou deux ou trois personnages en plus.
et Dead or Alive 5 Last Round, donc, qui est sorti donc, sur PS4 et Xbox One en boîte et en téléchargement uniquement sur PS3 et Xbox 360. Donc eh ben, réunit tous ces DLC de costumes, hein, c'est quasi, voilà, c'est que des DLC purement cosmétiques, et rajoute, je ne sais plus aussi, un ou deux personnages nouveaux. Voilà, et en gros, on a la version ultime de Dead or Alive 5, même s'il y a encore des DLC, ça on en reparlera juste après. Alors, Dead or Alive 5, donc c'est la Team Ninja, je vais y arriver, qui s'en occupe depuis des années. Alors, ce qui caractérise les Dead or Alive, en fait, notamment, c'est l'histoire. Leur accessibilité, ce sont des jeux de baston qui sont assez accessibles, en tout cas pour le premier venu. Hein. C'est-à-dire que tout le monde peut jouer à ce jeu-là, tout le monde peut prendre en main. C'est fait pour être joué d'une seule main. Et avec l'autre main, voilà. C'est fait pour être assez accessible. Donc voilà, en gros, grosso modo, la baston se déroule comme ça. Vous avez donc les quatre touches. Vous avez une touche pour les coups de poing, une touche pour les coups de pied, vous avez une touche pour les projections et une touche pour vous protéger. Alors, concrètement, quand vous jouez normalement, bah voilà, vous n'avez entre guillemets pas besoin de savoir plus que ça, mais évidemment vous avez tout un tas de combos et vous avez notamment ce qu'on appelle les contre-attaques qui font partie donc des features assez, assez compliquées du jeu. Donc les contre-attaques, c'est simple, faut se protéger et on va dire anticiper le coup de l'adversaire. C'est-à-dire que si un adversaire vous donne un coup au niveau du ventre, il va falloir faire protection plus une direction qui symbolise, on va dire, le milieu de votre personnage. Comme ça, vous attrapez le bras ou la jambe de votre personnage et ça vous permet de contre-attaquer. Donc, s'il faut un timing, évidemment, là-dessus, c'est où le jeu commence à devenir un peu plus technique. Et le jeu peut devenir quand même très technique. Donc, il y a une vraie progression hein, qu'on peut avoir dans ce jeu-là. Bon, à l'image de beaucoup d'autres jeux de baston, hein, évidemment. Mais c'est vrai que le principal, c'est que ben, on a vraiment du fun immédiat à l'image de la série Tekken, hein, où tout le monde peut jouer, tout le monde peut s'amuser tous ensemble dans le jeu, que ce soit les plus chevronnés comme les nouveaux venus. Et puis tout le monde peut mettre la raclée à tout le monde. Parce que généralement, quand on est super balèze, on se fait laminer par le mec qui prend la manette pour la première fois de sa vie. Hein. Parce qu'on comprend pas, et puis le mec il fait tout le temps triangle. Bon bref. Nous ne citerons personne sur ce plateau. Voilà. En tout cas, c'est ce qui caractérise en partie donc, la partie technique de Dead or Alive. Évidemment, bon, hein, on va arrêter. Hein. Ce qui caractérise l'autre partie de la saga Dead or Alive, ce sont évidemment son casting de personnages. Un casting qui est essentiellement féminin et essentiellement aussi très sexy, hein, voire limite, j'ai presque envie d'inventer un mot prostitutatif. Je pense qu'on m'a compris. Normalement, elles ne couchent pas pour de l'argent, elles ont juste un corps. Si, moi j'appelle ça coucher pour de l'argent. En gros, faut les défoncer dans le jeu, c'est ça. C'est un peu ça. Non, mais c'est vrai elles que bon. Ont des corps de bimbo, elles ont le corps de Brigitte Bardot, enfin pas à l'actuel, hein, l'ancien. Ouais, si tu veux, ouais, si tu dis que Brigitte Bardot est une bimbo à la rigueur. Ouais, bon, en tout cas, voilà, Dead or Alive, c'est caractérisé par son côté ultra, ultra sexy, très poussé et même à l'extrême. Hein, moi j'ai vu sur les derniers DLC, hein, il suffit juste d'un collier à fleurs pour cacher. Voilà, ce qu'il y a caché, ah, j'ai envie de dire. Merci d'ailleurs les DLC, bien évidemment. Donc voilà, c'est un des côtés. Alors évidemment, il y a aussi des garçons hein, dans le jeu qui sont bon, souvent torse nu. Hein, donc on va dire entre guillemets qu'il y en a un petit peu pour tout le monde. Ils ont des abdos. Ils ont des abdos, hein. Pas tous, parce qu'il y a quand même des mecs un peu plus costauds. T'es du type américain. Il y en a pour tous les goûts. Il y a même des vieux. Enfin bref, il y en a pour tout le monde. Xantia, si tu nous écoutes. Voilà, donc ça, voilà, c'est pour le casting. Alors, le casting de Dead or Alive, il faut savoir que bah, pour ce dernier épisode, il y a 32 personnages jouables, hein, ce qui porte le casting assez conséquent. Et en plus de ça, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que en termes de prise en main, parce que parfois visuellement, il y a des personnages qui se ressemblent, mais en termes de prise en main, c'est vraiment 32 personnages différents. Voilà. Donc, on a vraiment un bon casting, on a vraiment de quoi jouer, en tout cas avec le jeu, et vraiment trouver son personnage avec lequel ou avec lesquels on a le plus d'affinité. En plus de ça, toujours pour rester dans le contenu, donc comme je vous ai dit, donc, il y a les DLC, tout ça, machin, qui sont inclus directement dans Dead or Alive 5 Last Round. Les costumes, il y en a plus d'une centaine. Hein. Il y a certains personnages qui en ont même plus de 30 par personnage. Donc, bon,
C'est-à-dire qu'il y en a certains qu'on n'a pas beaucoup finalement. Il y a plus de costumes que de personnages. Ouais, bah oui, c'est ça. Il y a plus de costumes que de personnages. Donc des costumes donc, qui se débloquent au fur et à mesure du jeu. Hein. C'est-à-dire qu'il va falloir faire le mode histoire du jeu parce que oui, il y a, même si c'est un jeu de baston, il y a mode histoire. Alors le mode histoire reste quand même assez simple. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a un gentil, il y a un méchant qui veut avoir un grand pouvoir, etc. Bon, bref, il clone des autres personnages pour essayer d'avoir le pouvoir ultime. Ouh là là. Bref, on a quand même des scènes cinématiques et on a aussi un générique de fin. Que vous avez pu écouter juste à l'instant. Donc, un mode histoire qui est quand même bon, enfin, relativement long. J'ai envie de dire, ça peut se torcher en une après-midi si on y va vite et si on met pas la difficulté trop haute. Mais voilà, au moins, il a le mérite d'être là. On a un mode donc versus où vous pouvez jouer contre l'ordinateur ou contre des amis. Et ce mode-là, en fait, ce qui est très sympathique, c'est que eh bien, vous pouvez jouer à deux et jusqu'à 4, c'est-à-dire que vous avez un mode versus duo, c'est-à-dire 1 contre 1, et vous avez un mode versus duel, c'est-à-dire 2 contre 2. Alors, évidemment, vos 4 personnages ne vont pas tous combattre d'un seul coup, hein, ça va être du 1 contre 1, mais avec lequel vous allez pouvoir switcher avec un deuxième personnage qui se trouve entre guillemets en réserve à tout moment. Et ce deuxième personnage, ça peut être un de vos copains, ça peut être l'ordinateur, donc là-dessus, enfin l'ordinateur, ça peut être vous tout court, pardon. Qui switchait avec un autre personnage. Donc là-dessus, bah, y a vraiment de quoi se faire plaisir. En plus de ça, c'est vrai que si vous n'avez pas débloqué bah, tous les costumes, parce que les costumes hein, se débloquent dans le mode histoire, se débloquent au fur et à mesure du jeu, dans les défis que vous pouvez faire et dans les trophées que vous pouvez gagner, eh bien, il faut savoir que si vous voulez débloquer plein de costumes pour vous amuser entre potes, et oui, entre potes, hein, généralement, on est dans live, ça se joue entre mecs, eh bien, vous avez donc un système qui s'appelle Exhibition, que de base qui est désactivé, mais que vous pouvez activer pour avoir accès à tous les costumes débloqués. Oui. Juste, je ne sais pas si tu as précisé, quand tu joues en 2 contre 2, pour gagner, il faut épuiser l'énergie des deux ennemis. Je ne sais plus si tu as dit. Non, je peux dire. Alors que dans certains, comme Tekken Tag Tournament, c'est le premier joueur d'une équipe qui est KO, c'est toute l'équipe qui est KO et c'est perdu. Voilà, donc là, juste pour dire qu'à ce niveau-là, évidemment, Dead or Alive est quand même beaucoup mieux foutu, parce que c'est vrai qu'il y a une frustration dans Tekken qui est assez grande, et d'ailleurs... passage, pour faire la comparaison avec son concurrent, dans les Tekken, il faut jouer uniquement à Tekken Tag Tournament 2 pour pouvoir jouer jusqu'à 4. Sinon, les Tekken de base, c'est du 1 contre 1 et on ferme sa gueule. Voilà. Donc là, au moins, on a cette option-là. Et puis, ils ne s'en sont pas vantés. Ils n'ont pas appelé Dead or Alive 5, Tag, machin, bref. On a que Dead or Alive 5. Alors, tout ça, c'est par rapport au contenu du jeu. Donc, il y a aussi des bonus. Vous pouvez enregistrer également donc, vos combats que vous pouvez revoir. Vous pouvez voir sur plusieurs angles. Vous pouvez faire des arrêts sur image, capturer juste une image en particulier. Bon. Tout est fait pour le plaisir des yeux. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, eh ben, il faut dire une chose, c'est que le jeu, de base, c'est vrai que les versions PS3 étaient assez jolies. La version PS4, ça peut... Voilà, c'est aussi joli, hein, mais c'est peut-être un petit peu plus fin, voilà, tout simplement. Mais Dead or Alive 5... C'est plus lisse, mais Dead or Alive 5 est un des plus beaux jeux de baston qu'on a aujourd'hui sur cette génération, avec Soul Calibur 5. Soul Tekken est très à la ramasse à ce niveau-là, mais... Attention, je critique Tekken, mais j'adore. Hein. On va pas refaire le monde. Dead or Alive 5 est très très joli. Hein. Voilà, même les héroïnes. Il y a pas mal d'effets hein, de sueur, de saleté, d'effets mouillés. Hein. Et oui, t-shirt mouillé, tout ça. Voilà, qui sont assez assez convaincants. Le jeu en plus de ça est très très fluide. Donc là-dessus, il y a aucun problème là-dessus. Et que dire des fonctionnalités de la DualShock 3 ou 4 ? Très fluide le jeu, tu disais ? Très très fluide, à tel point que comme rebondissait si bien Pierre-Marie, effectivement, grâce au détecteur de mouvement des manettes PlayStation, eh bien, on peut bouger les poitrines des héroïnes. Bon, voilà, c'est... Alors, moi, ce qui me fait marrer... Il y a rien à bouger chez les héroïnes. Moi, ce qui me fait marrer, c'est quand même que ce système-là... Alors, vous allez peut-être me contredire, mais j'ai pas eu l'impression. C'est que ce principe-là, donc de bouger les poitrines des héroïnes avec les manettes, avec la détection de mouvement, c'est quasiment passé inaperçu. C'est-à-dire que les groupes féministes, tout ça, machin, ils ont quasiment rien dit. Ouais, non, mais c'est vrai. Oui, mais quelque part, il n'y a pas de mal. Tu vas pas me dire. C'est comment qu'on peut faire pareil avec les garçons. Bah, non, ça. Pas du tout. C'est évidemment Kojima qui a inventé ce système-là. Non, mais voilà, mais c'est passé inaperçu. Mais il y a d'autres jeux où on peut faire ça. Ninja Gaiden, je crois. Oui, mais c'est les mêmes. Non, mais ce qui est marrant, c'est que c'est passé inaperçu. Et je me rappelle d'une anecdote, et j'arrête après avec là. Dans Lightning Return, quand les créateurs ont dit que pour certains costumes de Lightning, ils ont été obligés de grossir sa poitrine, bah là, ça a été une tollée mémorable. Les groupes féministes s'en sont pris et tout machin. Enfin, le jeu s'en est pris plein la gueule, tout ça. Et Dead or Alive, il passe, mais nickel, tranquille. Alors que, enfin, voilà, je suis désolé, il y a des costumes, c'est de la prostitution visuelle, c'est pas possible. C'est juste abusif. Bref.
Ouais, mais il y en a qui sont épargnés, comme Lollipop Chainsaw à l'époque, ça n'a pas fait de grands scandales, alors ouais, que Lollipop Chainsaw a quand même des costumes d'un certain niveau. C'est ça qui me fait marrer, c'est que j'ai l'impression que voilà, ils ouvrent leur gueule que quand ils en ont envie, ça montre bien tout l'intérêt de ces fameux groupes. En tout cas, voilà, Dead or Alive 5, donc c'est très fun à jouer, c'est très rigolo, évidemment, bah, on en prend plein les yeux, hein, et puis l'écran en prend plein la gueule. Grosso modo, il y a une très bonne durée de vie parce qu'effectivement donc une grosse progression du jeu. Il y a pas mal il y a les modes classiques contre la monte etc machin, donc on peut vraiment, il y a vraiment de quoi jouer. Il y a aussi le mode en ligne, alors mode en ligne qui pour l'instant est pas forcément très optimal, hein. Il y a quelques problèmes, quelques soucis de connexion avec cette dernière version de Dead or Alive. On pense que quand même ça va être résolu dans pas longtemps. L'autre fléau, j'ai envie de dire, c'est que eh bien, malgré que cet épisode-là réunisse les DLC des autres épisodes, eh bien, il y a encore des DLC qui sont prévus pour Dead or Alive 5 Last Round. Concrètement, Dead or Alive 5, si vous avez acheté la première version, le jeu, si vous avez acheté tous les costumes, ça vous coûte 400€, hein, si ce n'est pas plus, parce que les packs de costumes sont à 13€. Enfin, c'est la poule aux œufs d'or. Et bizarrement, là encore, Dead or Alive 5, il passe, mais tranquillement, je veux dire, quasiment tous les mois ou toutes les saisons, il a ces gros packs de DLC et personne ne dit rien, alors que certains jeux se font défoncer la gueule parce qu'ils sortent 3 DLC. Enfin bref, ça me fait délirer, mais. Mais les gens sont trop abasourdis par la beauté des graphismes pour oser faire la moindre critique vis-à-vis du jeu. Ouais, mais moi je le fais. Les DLC sont abusifs, surtout pour de la cosmétique. C'est juste des costumes et ça coûte trop cher pour ce que c'est. Mais comme je dis, ben voilà, on n'est pas obligé de les acheter non plus. Ils n'ont pas mis le mode beach volley dans le. Non, ils n'ont pas mis le mode beach volley. Apparemment, je crois qu'ils veulent faire un Dead or Alive beach volley. Un troisième épisode, parce qu'il y en a deux qui sont sortis. Donc vraiment à part. Donc Dead or Alive 5, là, ça coûte 40€ sur PS4 et Xbox One. Évidemment, si vous n'avez pas connu les Dead or Alive 5 de base, franchement, vous pouvez sauter dessus. c'est le cas de le dire. C'est vraiment un excellent jeu de baston. On l'avait déjà testé à l'époque de la sortie de Dead or Alive 5 de base. C'est un excellent jeu de baston. On peut s'amuser à plusieurs. Effectivement, il est beau. Il est assez prenant. En plus de ça, moi, j'aime beaucoup jouer. Puis avec les personnages, même si on y joue tout seul, on n'est jamais vraiment seul. Le truc super creepy d'un coup. Voilà, mais malgré tout, tout est dit. Hein, ça, on va dire, son sexe à pile fait beaucoup dans les ventes du jeu. Donc Dead or Alive 5, c'est toujours une valeur sûre. Après, pour ceux qui avaient déjà acheté les versions précédentes, notamment la version Ultimate, bon, là, par contre, faudra vraiment être fan pour acheter cette nouvelle version, mais comme je rappelle, qui vaut largement le coup si vous n'avez pas connu les anciennes versions et si vous avez une PS4 ou une Xbox One. Voilà les enfants. Allez, on va passer à notre deuxième jeu, et pas des moindres, de la semaine, The Order 1886. Et on reprend tout de suite parce que je sens qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, The Order 1886, c'est un jeu du studio Ready at Dawn. Alors c'est leur premier vrai jeu original, puisque ce studio relativement jeune s'était appliqué à faire des God of War sur Les portages PSP de Merci. God of War. Donc pour le studio Santa Monica, et donc c'est la première fois que Sony leur laisse vraiment libre champ pour faire un nouveau jeu. Donc ils ont annoncé il y a 2 ans environ, qui s'est montré plusieurs fois aux E3. Donc les plus grands salons de jeux vidéo au monde, qui montraient notamment ces graphismes époustouflants, en tout cas en vidéo. Mais bref, avant de parler de cette nouvelle exclusivité de la PlayStation 4, est-ce que tu peux nous dire, The Order 1886, Nicolas, de quoi ça parle ? Eh ben, ça se passe en 1886, comme son nom l'indique. Et ça parle de l'ordre. Et ça parle de l'ordre, tout à fait, voilà. Bon, non on est à Londres, et effectivement, on joue un personnage, donc Sir Galad, qui fait partie d'un ordre un peu mystérieux. Ils sont censés chasser des créatures surnaturelles qui se baladent un peu partout dans Londres, qui s'appellent les hybrides, des espèces de loups-garous un peu monstrueux, tout ça. Et notre héros va se rendre compte qu'il y a une immense conspiration qui plane. Tous les plus grands notables de la ville sont impliqués, enfin tout ça, le truc vraiment qui risque de foutre la merde pas possible, quoi. Voilà, donc ça c'est le pitch de The Order 1886. Alors évidemment, on va commencer avec pour les auditeurs, donc on était 3 à le tester, donc Nicolas, il y a Jules également et moi-même. Alors évidemment, donc la première chose sur laquelle on peut absolument rien dire sur le jeu, c'est que The Order, on a affaire tout simplement au plus beau jeu du monde, tout
tout simplement. Je suis pas d'accord. qui éclate absolument tout ce qu'on a vu avant. C'est un visuel incroyable du début à la fin. Ouais, c'est vrai que visuellement, effectivement, donc on a toute la ville de Londres qui est un peu mystérieuse, enfin tu vois, avec un peu le brouillard, tout ça, et c'est vraiment super bien foutu. C'est très. On est époustouflé à chaque environnement, que ce soit en extérieur ou d'extérieur. Les visages des personnages réalistes, enfin voilà. Tout est superbe, tout est magnifique. Non mais vraiment, on se croit dans un film. En fait, moi c'est vrai que quand j'ai commencé le jeu, j'y ai pas cru. J'ai dit attends, mais c'est vrai, on joue là. Enfin, j'y croyais pas. C'est-à-dire que pour moi, c'était le, enfin voilà, les transitions entre la cinématique et le jeu ne se voit pas du tout. Et là, clairement, on est enfin. Voilà, si on veut une claque visuelle sur PS4, faut acheter ce jeu. À ce niveau-là, il remplit bien son office, on va dire. Non, attendez, faut quand même dire. Non, je suis désolé, mais là-dessus, je le défends parce que je suis vraiment impressionné. Moi, personnellement, je suis vraiment impressionné. Il remplit plus que son office. Oui. Il éclate tout ce qu'on a vu. Il y a des jeux qui sont très très beaux, hein, qui sont même très très beaux, qui vont venir. Mais moi, je suis quand même. Je suis pas d'accord. Je suis quand même soufflé par le jeu. Oui. De dire que c'est le plus beau jeu, parce que moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup dérangé sur le jeu. Et on se demande si c'est fait exprès ou si c'est parce qu'ils arrivent aux capacités de la Play 4. C'est ces espèces de deux bandes noires qu'il y a en haut et en bas de l'écran. À mon avis, c'est fait exprès pour. Pour moi, c'est fait exprès. C'est ta télé qui m'a réglé. Alors là, moi, j'ai trouvé dommage parce que justement, j'ai également la Xbox One. Et c'est vrai que justement, ce jeu, je vais énormément le comparer à Rise, Son of Rome. Qui pour moi, pour le moment, celui-là, c'est le plus beau jeu que j'ai jamais vu tourner. Parce que Rise, certes, The Order 1886, certes, il est très beau, mais je trouve dommage que ces deux bandes noires en haut et en bas soient là. J'aurais préféré qu'ils utilisent la totalité de mon écran télé. Pour y jouer, vraiment. Alors, il a été démontré, donc je ne me rappelle plus du site, mais il faudrait le retrouver. Il a été démontré que sans les bandes noires, le jeu est aussi beau. Hein. Ça change pas le jeu. C'est dommage. On va quand même rebondir. J'aurais préféré qu'ils mettent une option avec ou sans bande noire. Parce qu'après, effectivement, si t'es fan de films, que t'es un cinéphile averti, ok, t'as peut-être envie de jouer avec les bandes noires pour te mettre dans le jeu en tant que film. Mais juste une petite parenthèse, c'est bandes noires un peu comme au cinéma. Hein, voilà, c'est ça. Mmh. Mais si, comme moi, t'as envie de prendre le jeu comme un jeu, t'aimerais que ton jeu il passe dans la totalité de ta télé. Et moi, j'ai trouvé dommage qu'ils imposent ces bandes noires et justement que t'aies pas le choix de les mettre ou de les enlever. Alors, pour rebondir donc sur ce que tu dis, c'est que déjà, il faut dire d'entrée de jeu que The Order est un jeu très cinématographique, avec un aspect film qui est ouvertement prononcé, d'où le fait qu'il y ait les bandes noires. Au passage, ce n'est pas le seul jeu qui fait ça. Resident Evil 4 l'a fait, The Evil Within le fait également, donc là, ça ne pose pas de problème. Donc voilà. Moi, ça ne m'a pas dérangé, outre mesure, mais c'est déjà un point de vue. Alors, The Order, donc on va. Je vais dire The Order. Oh yeah! Alors, The Order 1886, le jeu, c'est quoi? C'est un TPS à la Gears of War, hein, on va dire ça, hein, c'est comme ça tout le monde comprend, où, généralement, vous allez avoir des gunfights, vous allez devoir vous couvrir, utiliser donc des armes à feu qui, évidemment, ne sont pas d'époque, hein, c'est des choses un peu science-fiction. Ouais, c'est des trucs un peu avancés pour l'époque. Vous allez devoir vous couvrir, tirer, tout ça. Vous allez avoir des vagues d'ennemis qui vont arriver. Donc, en termes de gameplay, on n'a rien d'original. Vous allez avoir, en plus de ça, un certain nombre de QTE. Là-dessus, voilà. En termes de gameplay, c'est un peu dommage, mais le jeu n'apporte rien de nouveau du tout. C'est vrai que, effectivement, comme tu dis, c'est du classique TPS. C'est-à-dire, on arrive dans une salle avec on voit qu'il y a des trucs pour se couvrir, on se dit il va y avoir des ennemis qui vont débarquer. Donc encore pire que ça. Ça ne manque pas. Pour voir qui est les ennemis, parce que tu parles qu'il y a des trucs pour te couvrir, mais l'arme ne serait-ce. Ouais, le héros sort son arme à chaque fois qu'il y a des ennemis. Voilà, mais quand il n'y a pas d'ennemis, l'arme reste rangée. Alors, j'ai l'impression de faire défense de The Order, mais il y a quand même un des meilleurs jeux au monde qui fait ça. C'est The Last of Us. Ouais. Et ouais, The Last of Us qui est considéré comme l'un des meilleurs jeux du monde, l'un des meilleurs jeux de PlayStation 3, on va dire, pour être entre guillemets plus objectif,
a exactement ce même système et pourtant lui on lui dit rien. Mais la transition est mieux faite dans The Last of Us, je trouve. Bah moi je trouve pas, parce que justement moi ce qui me plaisait dans The Last of Us, j'adore hein, The Last of Us, mais ce qui me plaisait c'est que voilà, quand t'as des ennemis, tu sais, que tu sois surpris, tu vois, mais moi je trouvais que les transitions, je les voyais. Moi je savais très bien quand il y allait voir des ennemis. Uncharted fait ça aussi, pourtant Uncharted on lui dit rien bizarrement. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a aussi ce principe-là dans The Order. Effectivement, tu vois venir Grog comme une maison, je dis pas le contraire, hein, on est bien d'accord, mais The Last of Us fait ça aussi, et moi personnellement, je le voyais, et ça, on l'a pas dit, ou alors on l'a pas dit assez sur The Last of Us. Voilà. En tout cas, voilà, bon, pour ouais. le gameplay donc, est très simple, et en plus de ça, The Order est un jeu très dirigiste. Enfin, dirigiste même à l'extrême, vu qu'on ne va pas vraiment se balader. Il ne faudra pas s'imaginer aller explorer, se balader dans Londres, explorer les trucs. Là, on aura vraiment des chemins ultra balisés. C'est-à-dire que suivre un personnage, traverser une maison, aller dans un souterrain, enfin voilà. C'est, pire que Final Fantasy XIII. Tout est hyper balisé. Après, voilà, on a toujours l'ambiance qui reste là, même quand on se promène et tout ça, qui est tout à fait... C'est vrai que de base des graphismes, l'atmosphère du jeu reste vraiment super bonne, moi je trouve, du début jusqu'à la fin, je suppose, en tout cas. Donc là-dessus, il n'y a pas grand chose à dire. Alors, c'est un jeu, c'est un TPS, c'est un gunfight, et généralement, ce genre de jeux sont assez courts. J'ai bien dit généralement, il n'y a pas beaucoup de TPS qui se finissent en 15 heures. Hein. J'en ai pas vu 50. The Order, allez, durée de vie, grosso modo, c'est quoi? C'est 8 heures, 7 heures? Ouais, 7 heures à peu près. Voilà, 7 heures de jeu, donc évidemment, c'est non, pas. Non, non, c'est pas 7 heures de jeu. Alors. Bah tiens, vas-y, rebondis. Donc pourquoi tu dis il n'y a pas 7 heures de jeu? Parce qu'en fait, faut savoir, dans le jeu est composé de 16 chapitres. Et des fois, il y a des chapitres, c'est que de la cinématique. D'ailleurs, il y a même des fois des chapitres qui se suivent où c'est que de la, c'est que de la cinématique. Et certes, dans The Order, il va y avoir les scènes de gunfight, comme tout dit, mais j'ai eu l'impression, la plupart du temps, dans le jeu, que je me promenais, en fait, et que je regardais ce qu'il y avait autour de moi. Parce qu'au final, les scènes de gunfight, eh ben, il n'y en a pas beaucoup. Après, il y a quelques QTE pour, on va dire, pour diversifier un peu les différentes expériences que tu peux avoir, mais après... Il n'y a pas que des gunfights, il y a quelques phases d'infiltration. Sur 7 heures de jeu, t'en as peut-être bien la moitié où tu passes le temps à te promener ou à regarder les cinématiques du jeu. Hein. Mais, alors, je vais poser la question à Nico et à toi. Pour toi, est-ce que c'est un défaut? Enfin, j'ai l'impression que oui, mais... Complètement. Alors, faut savoir... À côté, tu vois, j'avais fait la trilogie Gears of War. Ouais. Donc, c'est une bonne comparaison parce que la jouabilité, enfin, le jeu, c'est un peu la même chose hein, quand tu joues. Mais dans Gears, tu prenais vraiment du plaisir parce que tu avais beaucoup d'actions que tu pouvais faire avec ton perso. Même dans Uncharted, hein, tu peux faire plein de trucs. Hein. Ouais, alors que là, je trouve les scènes de tir. Tu peux pas faire de roulade quand tu veux, ça pareil, c'est si ils te le disent qu'il y a la touche croix qui apparaît, là ton perso... C'est une QTE en fait. Ouais, c'est ça, c'est terrible. Je trouve qu'ils ont trop restreint la liberté du joueur dans ce jeu. Et je te parle dans les scènes où on a vraiment le contrôle du perso pour essayer de combattre les autres en face. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Ben moi, je vais revenir. Donc le fait qu'il y ait beaucoup de cinématiques, plus que de jeu, pour moi c'est pas un défaut si l'histoire du jeu est intéressante, ce qui est pas forcément le cas de The Order finalement, parce que oui, on apprend que oui c'est la merde et tout ça, mais effectivement il y aura rien de surprenant, il n'y a pas de truc qu'on va dire, ouais, mais en fait... Il n'y a rien d'original, mais est-ce que c'est moins bien raconté? Oui, c'est bien raconté, les personnages sont très... D'ailleurs, le doublage français, j'ai trouvé très bon, ça, il n'y a pas de problème, c'est bien raconté, mais finalement, c'est très convenu, quoi. D'ailleurs, voilà, j'aimerais juste rebondir là-dessus pour remercier évidemment nos sites de jeux vidéo français, hein, parce que ce sont toujours les mêmes, juste un petit coup de gueule qui n'a, entre guillemets, rien à voir, mais qui parle de The Order, parce qu'entre un judo.com qui ne se mouille jamais hein, pour ce genre de jeu polémique, hein, il dit jamais, en gros,
bah, soit si c'est de la merde, soit si c'est très bon, mais ils se mettent entre deux. Ils avaient fait pareil avec Rise. Hein, 15. Ouais, non, mais c'est ça, c'est la note. De toute façon, c'est un site de merde. C'est la note pour dire oui, bah, c'est bien, mais voilà, on veut pas se fâcher avec les pro Sony, les anti Microsoft. Et puis ils nous ont pas versé d'argent pour qu'on mette 20. Voilà, on met ça. Point final entre ça, entre Gameblog, bon bah qui mettent oui, bah nous on prend comme il vient. Il y a de toute façon il y a peu d'autres jeux faits autour. Donc, voilà, c'est le meilleur jeu, machin. Bref, ils mettent une note qui est un peu trop abusive par rapport à ce que c'est. Et Gamekult qui veulent faire, eh bien, les, bah, comme d'habitude, hein, les blasés, genre nous on joue sur PC, attendez, n'importe quoi. Qui vont c'est nous un sortir peu les fongiels de... Ouais, non, mais c'est ça, mais ça devient agaçant. Qui vont nous sortir que le doublage français est pourri, hein, c'est marqué hein, dans leur test, alors que non, le doublage français excellent. D'ailleurs, les comédiens de doublage professionnels. Entièrement hein, d'accord pour le voilà, coup. Là. Les comédiens de doublage professionnels seront ravis d'entendre ça. Mais, et en plus de ça, quand on voit que le testeur nous dit que ben, c'est trop cinématographique. Il nous avait dit aussi la même chose pour DMC Devil May Cry, hein, que c'est trop cinématographique. C'est toujours rigolo pour voir que cette personne-là teste des RPG. Hein, effectivement, évidemment, quand il y a trop d'histoires, qu'est-ce que c'est chiant hein, quand on teste des RPG. Hein. Bah oui, l'histoire, c'est inintéressant, on veut les zapper, c'est sûr. Voilà, c'était juste la petite pique pour dire, franchement, faites-vous votre propre avis, parce que là, franchement, c'est du grand n'importe quoi, en France, en tout cas. Bref, en tout cas, oui, effectivement, le scénario, eh bien, il n'est pas forcément très ouais, original. Ça qui est malheureux, c'est que... Malgré qu'il y ait une bonne mise en scène, qu'il y ait des personnages charismatiques. Je m'attendais à une histoire qui allait monter crescendo, tu vois, ouais. Au fur et à mesure du jeu, et peut-être un final époustouflant, et quelque chose d'assez énormissime. Mais finalement, non, ça ne monte jamais totalement, tu vois, c'est... Il n'y a pas de moment mémorable. Il n'y a, ouais, a pas de moment où tu te dis, waouh, ouais, putain, mais c'était ultime et tout. C'est vrai que moi, je vous avoue que moi, à chaque fois, je le dis hein, ouvertement, je suis bluffé par la qualité visuelle du jeu. Hein, je préfère le dire parce que moi, je trouve que c'est incroyable ce qu'ils ont fait parce que tout est magnifique, du début à la fin. Enfin, voilà, pour moi, c'est une claque graphique comme j'en ai eu. Sur PS3 avec Uncharted 2 notamment, hein, c'est voilà, on sait très bien qu'il y aura des jeux qui seront plus beaux que The Order, qui seront plus ouverts, etc. Mais en tout cas, The Order, pour moi, c'est visuellement, c'est la première fois que je vois ça, et donc voilà, moi je suis très content d'avoir ça, en tout cas sous les yeux. Mais effectivement, c'est vrai que quand on joue au jeu, moi je trouvais que il y a des phases qui étaient sympatoches à jouer, mais il y a pas de moment qui te tiennent en haleine, des choses où... qui changent. C'est-à-dire qu'effectivement, ouais. Quand tu arrives dans une salle, tu sais très bien que tu vas avoir un gunfight parce que tu as déjà les endroits où tu peux te mettre à couvert qui sont posés. Et ça, c'est super dommage. Et bah, tu vois, pour refaire le comparatif avec Rise, Son of Rome, qui était sorti sur One, c'est pareil. Hein, c'est un jeu qui signe en 7-8 heures. Mais voilà, pendant les 7-8 heures que j'avais passé sur Rise, je m'étais régalé. Parce que ton jeu s'est fait défoncer. Hein, ouais, le jeu s'est fait défoncer. J'en suis totalement conscient. Mmh. Mais tu vois, je trouvais que justement l'action montait crescendo, ouais. Tu vois, quand t'arrivais dans un truc, tu disais waouh, punaise, mais c'est impressionnant ce qui arrive au héros, comment il va s'en sortir et tout. Ça manque de diversité dans The Order. Et tu vois, dans The Order, il y a pas ce côté là de dire waouh, punaise, le héros, qu'est-ce qu'il va faire là. Non. Et en plus, ce que j'ai trouvé vraiment dommage, c'est qu'il y a certains décors. Au final, les niveaux se ressemblent. Hein. Il y a beaucoup de passages. Non, mais t'es pas arrivé à la fin du jeu, c'est pour ça. Mais les passages. Je suis pas très non, loin. Mais hein, les passages, quand tu vas dans les catacombes, dans les souterrains et tout, je te jure, on dirait les mêmes, quoi. Et t'en as une phase comme ça au début, une phase au milieu et une phase à la fin du jeu. Et t'as l'impression de revoir les. Je suis pas très les mêmes décors. Si je peux. Moi, quelque chose qui m'a extrêmement déçu dans The Order, c'est qu'on affronte. Donc les gunfights, ça va être majoritairement contre des humains, les mêlés monstres. On en aura au final on les voit on pas, en aura ouais. Très peu et à chaque affrontement contre les loups-garous ça va être dans une pièce qui a la même configuration oui, avec des grandes ça. Caisses ouais, c'est vrai. On a juste qu'à attendre que la bête nous fonce dessus et lui tirer dessus faire la QTE pour qu'il fasse une roulade et l'esquiver. Loup-garou se barre, il revient à la charge, on recommence et les combats contre les pour moi je m'attendais à des combats contre les monstres mais tu vois des trucs super super épiques et tout ça mais non en fait finalement on a juste qu'à tirer faire une QTE tirer faire une QTE tirer faire une QTE. Est-ce que au fond The Order c'est pas un énorme gâchis en fait parce ouais, que je suis désolé mais ils avaient beaucoup de choses. Ils avaient un potentiel phénoménal. Hein. Ils avaient la qualité technique qui était pour eux. Hein. Clairement, ils avaient ça pour eux. Moi, je trouve que le design global du jeu, que ce soit l'ordre, justement, les chevaliers, tout ça, je trouve que c'est très, très bien. Enfin, voilà, il y a une très bonne direction artistique sur le jeu. Il y a quand même des effets visuels que j'ai trouvé véritablement bluffants. Après, donc, on parlait des gunfights, tout ça, machin. Bon. Ils sont pas déplaisants à jouer. Oui, hein. Non, ils sont attention, très, ils sont ils sont très corrects, hein, parce que je connais un Resident Evil 6 qui se veut pourritissime à ce bon, niveau-là. Mon seul regret, c'est que les créatures soient pas assez
soit pas assez présente, quoi, voilà, soit pas assez mise en avant. Ils avaient tout un univers, rien que pour eux. En plus, le Londres 1886 avec Jack l'Éventreur, tout ça machin, Whitechapel, tout ça. Il y avait des super armes, tu t'attendais justement voilà, à dégommer des grosses créatures. Et au final, les super armes que tu as dans le jeu, bah, tu t'en sers pour combattre la rébellion humaine. C'est triste. Par contre, tu les déchires bien. Ah bah, tu les déchires bien, mais t'aurais voulu déchirer du loup-garou. Et puis après, même, c'est un mini spoil. Tu découvres qu'il y a des vampires aussi dans le jeu. Donc tu t'attends aussi à en combattre. T'en combats pas un seul. Et c'est rageant parce que tu t'attends toujours à ce qu'il y ait quelque chose qui vienne et il n'y a rien qui arrive dans ce jeu. C'est frustrant. Mais est-ce que The Order, est-ce que ce premier jeu, c'est pas pour ouvrir à un vrai, entre guillemets, un The Order 2 qui sera vraiment complet? Ouais, mais bon. Parce qu'il y a beaucoup de jeux comme ça, je suis désolé. Le problème, c'est qu'ils vont se mettre les gens à dos en faisant ça à la licence. Les gens, ils vont s'en rappeler, ils vont dire oh, c'était pourri le premier, je vais pas faire le deuxième. Je suis désolé, mais moi, j'ai fait Assassin's Creed, le premier, je trouvais ça pourri, j'ai comme fait le deuxième. Ouais, bah faut vraiment. Je trouvais ça pourri aussi. Faut vraiment qu'ils fracassent tout alors, hein, parce que là, ça me donne pas envie de. Je pense qu'avec leur qualité visuelle, qu'ils arriveront à attirer quand même des joueurs, je pense. Pour s'il y aura un Sea Orders 2, comme dit Jules, ils ont intérêt à faire un truc qui va tout défoncer, qui va être complètement différent. Moins dirigiste. Après voilà, mon avis sur Sea Orders 1886, c'est que moi, j'ai apprécié le jeu, entre guillemets, pour ce qu'il était. Pour moi, ça me paraît être un film. Un jeu interactif, un film interactif. On a vraiment, on a une histoire qui est racontée, parsemée de phases de gameplay. Donc ça, voyez, ouais, il y a d'autres jeux que j'ai adoré comme ça. Final Fantasy XIII était pareil, très dirigiste, ponctué de scènes cinématiques. Le jeu de Capcom Azura's Wrath était exactement pareil, hyper simple. C'était épique, qu'il y avait dans ces jeux-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on crève jamais. C'est simplissime, c'est fait pour des gamins. Enfin, en termes de gameplay là-dessus, mais effectivement, j'ai aimé. Et The Order, j'ai apprécié. J'ai pas autant aimé qu'Azura's. Il y a rien d'épique dans The Order. Non, mais laisse-moi dire. j'ai apprécié le jeu. J'ai apprécié le jeu d'acteur. J'ai apprécié les graphismes du jeu. Ça s'arrête là. Le jeu, effectivement, il est pas mémorable. C'est pas un grand jeu, c'est tout ça. Mais je suis désolé, des jeux entre guillemets qui sont pas meilleurs, il y en a à l'appel. Faut arrêter de se leurrer. Il y a pas qu'on joue pas qu'à des bijoux. Hein. Voilà. En tout cas, moi, c'est mon avis. Voilà, c'est un jeu de cinématographique. C'est pour ça que les bandes noires ne m'ont pas dérangé. Effectivement, l'histoire, elle est pas originale, mais j'ai trouvé bien racontée malgré tout. Et j'espère qu'effectivement, les suites seront bien plus à la hauteur. Mais voilà, The Order, je l'ai pris pour le jeu, le film interactif sympatoche qu'il a été. Voilà, c'est mon avis, je n'en veux pas. J'en attendais pas forcément plus du jeu. Voilà, j'en attendais pas beaucoup plus du jeu. Donc je ne suis pas réellement déçu, en tout cas, de ce qu'est The Order. Après, par contre, je ne vais pas forcément le conseiller à 70€. Ça, c'est clair. C'est ce que j'allais dire. À 30€ le jeu, allez-y, mais sinon. Jules, toi, ton avis sur The Order? Bah écoute, moi, The Order, comme je disais, c'est une bonne surprise, mais pas dans le sens que j'aurais voulu. Hein. Je m'attendais à quelque chose de vraiment excellent, et au final, peut-être c'est pour ça que j'ai été déçu. Bah, de toute façon, quand on attend trop quelque chose, on est souvent. Pas forcément, il y a des bonnes surprises, mais voilà, ce que j'ai trouvé, il n'y avait pas assez de trucs épiques dans The Order, pas assez de combats comme les monstres, comme disait Nico. Voilà, très déçu, achetez-le quand il sera à 30€, ça ira très bien. Et toi, Nicolas? Moi, je m'attendais, comme disait Jules, plus de monstres, plus d'épiques, une histoire qui est peut-être un peu plus étoffée. Bien sûr. Hein. Après, sinon, je suis pas fait chier en y jouant, si tu veux, les scènes d'action, j'ai trouvé ça sympa, me balader dans Londres, c'était plaisant à regarder, il y a des décors, tu te dis, ouais, putain, c'est super joli. Mais voilà, c'est une fois que je l'ai eu fini, je me suis pas dit, putain, faut que je le refasse absolument. C'était trop génial. Quoi, tu passes à autre chose, voilà. une fois que c'est terminé. Ouais, c'est vrai que voilà, The Order, en fait, a laissé un petit froid quand même. On espère que la prochaine exclusivité PlayStation 4, Bloodborne, sera rattrapée. Si tout vous ça. Vous avez écouté il y a deux semaines. Et voilà, en tout cas. En tout cas, on espère, en tout cas pour la PlayStation 4, c'est vrai que là,
première grosse exclusivité, hein, si je dis pas de bêtises, je n'en vois pas d'autres avant sur PS4. Infamous, The Last of Us, Killzone. Non, The Last of Us, c'était déjà sorti sur PS4. Mais tu vois, Killzone, pareil, c'était beau. Bon, il voilà. y avait Infamous quand même qui était pas mal du tout. Infamous qui était pas mal. Donc, quitte à choisir un exclu, choisissez Infamous. Tout ouais, est non, dit. Mais oui. Merci à toi, Nicolas. Merci à toi, Marcus aussi. Merci à toi, Jules, d'avoir répondu à notre appel. Merci, Pierre-Marie, également pour tout le travail sur l'émission. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Donc, lundi prochain, on va parler de Saint Seiya. Eh oui, les chevaliers du zodiaque. On va tout vous dire puisque on aura nos armures et tout. Exactement, puisqu'il y a sorti du film Les Chevaliers du zodiaque, la légende du sanctuaire. N'allez pas le voir. On en parlera donc la semaine prochaine. On vous dira tout sur Saint Seiya. Il y aura peut-être aussi un autre petit jeu. En plus, voilà mes chers amis. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Rendez-vous sur le site internet gameonitron.fr et sur notre chaîne YouTube. D'ici là, amusez-vous bien et passez une bonne soirée, une bonne semaine. Ciao. Ciao. Afraid man's gotta do how it feels. 60, 70, 80, 9, 10. I flip the script to make it to the top 10. Go. Stay late, people call me Royal Flush, and I'm the ace.